pas possible. Oh, c'est pas possible. Non. Respire, respire, c'est rien. Ils ont juste rajouté des équipes. À moins que... C'est pas possible. J'avais dit qu'il mettrait jamais de nouveaux défis. J'avais dit qu'il nous ferait gagner 3 matchs. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis dans un cauchemar. Il doit y avoir une explication. Il doit y avoir une explication logique. C'est pas possible. Bravo chef, c'est génial. Il est trop bien le jeu à mon avis. Les joueurs, ils vont trop kiffer. Chef. Ça va pas du tout, chef, il gueule, ça va pas du tout. Faut changer les défis. Mais non, ils sont très bien les défis, Jean Chiaki. Allez, file. Ok. Chef, ça va pas du tout, ça. Non, mais il gueule trop. Mais non, mais arrête, regarde, on fait plein de téléchargements, ils sont contents. Allez, dégage. Chef. Chef, on se fait insulter sur les réseaux sociaux. On a la pire note sur Steam de l'histoire, chef. Faut mettre des nouveaux défis, chef. Mais c'est rien, ça. Ça fait du buzz, c'est de la pub. Regarde les téléchargements, ça décolle. On a eu plein de précommandes. Allez, dégage. Chef, j'ai une idée. On va leur proposer des nouveaux défis. Écoutez-moi, chef, s'il vous plaît. Premier défi, il va falloir qu'ils marquent un certain nombre de buts. Deuxième défi, qu'ils en marquent encore plus. Et troisième défi, encore plus. C'est une bonne idée, chef. Mais c'est une super idée, Jean Chiaki. C'est vrai? Tu vas aller faire valider ça par le service communication. Ensuite, tu valideras par le service contenu. Ensuite, le service développement, il validera ça et puis c'est bon. Mais chef, il n'y a pas de service communication, chef. Et au développement, ils sont plus que deux. Mais je sais, je me foutais de ta gueule. Allez, dégage avec tes idées, là. Dégage. On va voir si c'est ça. Et salut tout le monde, c'est Luthor. J'espère que vous allez tous très bien. Quelle n'a pas été ma surprise ce matin en buvant mon petit café avant d'emmener ma fille à l'école quand j'ai vu sur Twitter qu'il y avait des nouveaux défis. Et en plus qu'ils avaient mis toutes les équipes, tous les championnats. Franchement, là, très bien. Chapeau Konami. Quand c'est bien, faut aussi le dire. Mais revenons un petit peu en arrière. Revenons à la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait eu les annonces de report, etc. Et Konami nous avait annoncé une semaine après, donc la semaine dernière, que plus vous alliez jouer, plus vous alliez avoir de tirages à la sortie du jeu. Alors moi, personnellement, ce genre de truc, ça me plaît pas du tout, ça m'intéresse pas. Je trouve que vraiment, ça sert à rien. Parce que ça va pas forcer ceux qui aiment pas le jeu à y jouer, tu vois, comme moi. Franchement, qu'est-ce que j'en ai à secouer d'avoir 3-4 tirages à la sortie du jeu. Bref, ça, je m'en fous. Et ceux qui y jouent déjà, franchement, c'est pas un truc comme ça qui va les motiver. Mais bon, tout ce qu'il y a comme contenu en plus, bon, c'est toujours bon à prendre. Mais je trouvais que c'était pas fou. Et personnellement, j'y croyais plus au fait qu'ils mettent de nouveaux défis parce que, bah voilà, ça fait plus de deux mois que le jeu est sorti et les défis, c'était toujours les mêmes. Je m'étais dit, s'ils devaient changer les défis, il fallait peut-être qu'ils s'y prennent un petit peu avant. Bon, comme quoi, faut jamais être pressé avec Konami, ça on a l'habitude. Enfin, aujourd'hui, nouveau défi. Alors, attention, c'est très bien, ça change, mais c'est pas non plus la folie, tu vois ce que je veux dire. Et pourquoi c'est pas la folie? Et pourquoi je me dis que c'est quand même pas un truc de fou et que c'est quand même pas ce qui va me faire dire que plus tard ça va être la folie? Bah tout simplement parce qu'ils ont repris les défis qui existent déjà sur PES Mobile depuis déjà un petit moment. Parce que oui, les premiers défis, hein, défi 1 gagner un match, défi 2 gagner 3 matchs, ça y était déjà sur mobile. Le deuxième, bah tu vois, c'est la même chose au niveau des buts, ça existait déjà sur mobile. Alors oui, c'est bien. Mais c'est pas non plus la folie, tu vois, on va pas non plus faire la fête, sortir les cotillons, etc. Surtout, si ce même défi, il nous le laisse encore pendant 2 mois.
Bon, après, je vais pas te mentir. S'ils alternent une fois ce défi, la semaine d'après, celui d'avant, et qui ainsi de suite, ça va puer la douille quand même. Mais, encore une fois, aujourd'hui, c'est très bien. C'est très, très, très bien même. Bravo Konami, j'applaudis l'effort. Mais continuez, restez pas sur cette lancée. Mais je voulais aussi vous parler d'autre chose, parce que ça c'est très bien, mais aussi on va parler d'argent, de finances et comment se porte Konami. Bah figurez-vous qu'au niveau pécunier, au niveau de l'argent, Konami se porte très bien, puisqu'on a eu le résultat fiscal du premier trimestre 2021, et ils nous annoncent fièrement que leur chiffre d'affaires a fait un bond de 20%. Donc en pleine période Covid, chiffre d'affaires, un bond de 20%. Donc tous ceux qui me disent, oui mais Luthor, il y a eu des problèmes pour développer le jeu, parce que voilà, c'était le Covid. Tu vois, le Covid, ça les a pas empêchés de faire 20% de chiffre d'affaires. 20% de chiffre d'affaires jusqu'au mois de septembre. Ça, c'était avant eFootball. Maintenant, à mon avis, l'autre trimestre, il va leur faire mal, je pense. Et comment ils ont fait pour faire plus de 20% de chiffre d'affaires? Déjà, eh ben, faut savoir que PES 2021 Season Update a très bien marché, très très bien marché. Et Yu-Gi-Oh! Surtout Yu-Gi-Oh! Qui leur a fait faire un chiffre d'affaires énorme. Mais c'est pas tout, puisque les salles de jeu et les casinos ont augmenté. On sait qu'au niveau des pachinko, Konami, ils sont très très bien placés. Bah grâce à ça, ça leur a permis d'engranger 30 millions supplémentaires. Donc là, on parle pas d'une petite entreprise, les amis. On parle d'une entreprise qui est passée de 890 millions de chiffre d'affaires l'année dernière à 1070 millions de chiffre d'affaires en 2021. Ceux qui veulent nous faire croire qu'il faut laisser un petit peu de temps à Konami, qu'il faut être gentil avec eux parce que c'est une petite entreprise, non. Tu vois, là, on parle en millions, en centaines de millions, en milliers de millions même, 1070 millions. Tu vois, on ne parle pas d'une petite entreprise. Donc, c'est bien. Bravo Konami, vous réussissez à engranger de l'oseille. Maintenant, préparez-vous parce qu'avec ce que vous nous avez sorti avec eFootball, à mon avis, déjà, on a vu que votre action elle a baissé. Il va falloir se réveiller, les gars. Il va falloir se réveiller parce que je sais que Yu-Gi-Oh!, vos pachinko, vos casinos, tout ce bordel-là, ça vous rapporte énormément d'argent. Donc, vous n'en avez rien à faire d'eFootball. Mais méfiez-vous parce que des fois, le karma, il peut marcher aussi. Il peut faire très mal. Voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère surtout que l'intro vous a fait marrer. C'est toujours le but. C'est toujours le but, pardon. Si ça vous a plu, bah abonnez-vous, les gars. C'est le meilleur remerciement pour moi. Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. À très bientôt. Ciao. We'll be right back.